Bonjour, bonsoir, ne zappez pas, moi c'est De Côté, vous êtes à votre émission préférée, Fa-Fa. Oui, d'habitude c'est pas moi, je suis venu juste remplacer Pierre Levé, celle de Valais, avec son binôme de tous les jours. Vous connaissez Anaconda, c'est bien sympa, et voilà. Ouais. Comment va le PDG du M Group, Maurice Lemola? Il va très bien, franchement, mm-hmm. Un peu fatigué, mm-hmm. Parce que dans notre métier, mm-hmm. on arrive à une période de carême, donc les clients font toutes les activités un peu avant, donc on est un peu fatigué, mais exactement. Sinon, mm-hmm. ça se passe bien. Et comment va le nouveau bébé qui est sur le marché aujourd'hui, qui est Yemola? En vérité, musicalement, on ne fait pas vraiment campagne. Mais après, on a nos amis, toutes les chaînes qui nous accompagnent. Mm-hmm. Mais je trouve que ça se passe bien. On a sorti nos titres hier, mm-hmm. qui fonctionnent très bien. Hier, Moula, c'est un morceau qui était prêt depuis 4 ans, 5 ans. Le clip était fait depuis un an mm-hmm. et demi. Bon, après, comme dû au Covid, on a préféré travailler, préserver les emplois pour nos activités, nos différentes d'accord. activités. Mm-hmm. Un groupe que vous connaissez, mais mm-hmm. préserver les emplois. Mm-hmm. Et puis après, se consacrer un peu à la musique. Donc maintenant, on respire un peu. On peut se permettre de dire que c'est un album de combien de titres quand même? Je n'ai pas encore défini, mais sinon, on a 32 chansons prêtes. Waouh! On a 32 chansons prêtes, on a 16 titres mm-hmm. en live, enregistrés en live avec les musiciens. Mm-hmm. Et puis, on a 16 titres playback avec tous ceux avec qui. Tous ceux qui font la musique africaine, tous les gros noms que vous avez entendus, okay. on a des titres avec eux. Mm-hmm. Et donc, mm-hmm. on va sortir ça un peu. Mais je pensais qu'on allait pouvoir faire sortir l'album cette année, mais c'est compliqué. Il est sorti il y a un mois. Mm-hmm. On a fait sortir un autre titre ce mois-là. Okay. On a fait en sorte de faire découvrir chaque mois jusqu'à mm-hmm. la fin de l'année un nouveau titre. Qu'est-ce qui devait sortir? C'est juste qui a été reporté à cause de la sortie de l'album de Billy Billy. Hein? Mais pourquoi ça a été reporté? De peur de la sortie de Billy Billy? Non, Billy Billy, c'est un frère, qui est à Daloua, mm-hmm. on se connaît depuis l'Aérover. Ils connaissent mm-hmm. ma manière de fonctionner. D'accord. C'est des gens, par exemple, qui me connaissent clairement. Quelqu'un qui peut. Je n'ai pas veillé, même si je m'appelle Mola, parce que chacun a sa base fan. Bien sûr, oui. Ce n'est pas la peur. Mm-hmm. Je lui ai dit, Billy Billy, 6 mois, à rouler. Et puis, quand on décide de lancer le son, se rend compte avec nos équipes que. Et une chose, Billy Billy sort à la même date. Il a fait sa campagne il y a longtemps, c'était son retour. Il faut laisser les gens. Et je pense que c'est quelque chose que les gens doivent enregistrer en eux. Les 2 jours, les 3 jours de décalage, nous on a fait quoi? J'avais dit dimanche, on a sorti lundi nuit. D'accord. Voilà, on est déjà à près de 50 000 vues. Ouais. Hier nuit. De là où on est en train de parler. Donc c'est pas une question de peur. C'est une question de dire que
tu peux laisser un, deux jours à ton camarade pour qu'il... Pourquoi pas? Oh, j'ai rebondi, il a dit frère. Quand le mouvement est sorti, on avait la Jet Set. Ça devient quoi la Jet Set? Ben, la Jet Set se recompose petit à petit, à part lui que tu as remplacé au pied levé, là, comme tu dis, là, elle est Lumo. La Jet Set est totalement reconstituée. Il reste que Serge Stéphanie. Et puis le président actuel, le président du comité d'organisation des 20 ans de Coupe d'Ivoire, c'est pas le président de la Jet Set, parce qu'on va éviter les amalgames qu'on avait en 2002. Parce qu'en 2002, quand on a dit d'où c'est notre président, tout le monde a pensé que c'est notre parrain ou quoi que ce soit. On prend toujours un de nos gars pour lui dire que tu es président pour telle période, pour telle étape. Ça ne veut pas dire que c'est patron de quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, pour les 20 ans, notre président, c'est Borosombi. Tu as dit que Serge, si jamais les choses doivent s'arranger, elles vont s'arranger. Mais pour l'instant, avec l'INO, avec tous les autres, on est tous dans le même groupe. Donc, je ne suis pas réalisateur de clips, hein. Je vais saluer Roland Lebendis de passage, mais ton clip Yemola, c'est super, super beau. Le style, l'habillement, les endroits choisis, tu as quel espace de temps pour t'organiser à entrer en studio, chanter, avoir le temps de faire un clip? Bon, après 20 ans, c'est même pas une question d'espace, c'est une question... Bon, on a la chance, là, on a un groupe, tu vois, tu nous as trouvé, vous nous avez trouvé en répétition. D'accord. C'est tranquille. Avec nos musiciens, tout ça, j'ai le studio d'enregistrement en face. C'est à l'expiration, je descends, je calcule mes heures pour poser un morceau. Mais les morceaux, ils étaient préparés bien longtemps avant. D'accord. Maintenant, pour le clip, c'est une période où je viens parler, gérer mes affaires. À Paris, je viens à Paris gérer mes affaires et donc je programme le clip. En même temps. La vie même est une question d'organisation. Quand tu t'organises, tu peux tout faire. C'est comme le clip qui est sorti hier, on était près de 80-90 personnes sur le tournage. Donc bon, j'ai la chance de travailler avec des équipes solides au quotidien. Quand on rentrait tout à l'heure, on a vu, tu étais en pleine répétition. Les mauvaises gens qui disent souvent, oh, couper, décaler, c'est dans le studio seulement, couper, décaler dans le studio. Bon, j'étais vraiment surpris de voir que Coupé Décalé aussi font du live. Alors, le dernier spectacle de Mounar, c'est quand? En live. Ou je sais pas, Abidjan ici, aller n'importe où. C'était la semaine passée. C'était la semaine passée. Je veux dire, on fait des lives tout le temps. Et pour ceux. Le dernier spectacle grand public ou. Bon. Non, mais moi je considère, je respecte tous mes publics. Il y a deux semaines, en tout cas, j'étais en live pour mon petit frère là, chez Alès Garcin, ça, on va lui faire la publicité sur la reprise. Le vendredi, on a un spectacle en live. Nous, on ne joue qu'en live depuis. Vous allez voir toutes mes émissions. Mais comme on est, le grand public n'est pas au courant bien. Pourquoi? Non, mais bon, on est dans un petit coin qu'on fait. Non, c'est pas dans un petit coin qu'on fait le live. Si vous voulez mon dernier concert, même au Palais de la Culture, il monte à 10 ans, c'était un live. Je dis, c'est l'Ivoirien même, c'est le propre de l'Ivoirien d'avoir la mémoire courte. Mais pourquoi 10 ans? C'est pas trop 10 ans pour... Oui, mais quand tu es en construction d'entreprise, quand tu es en développement de tes affaires, tu fais un choix. Dans la vie, c'est comme ça. Tu dis que le moment est choisi pour construire une maison. Tu construis la maison d'abord pour aller sur d'autres projets. Et puis, scientifiquement, c'est prouvé. Nous, les hommes, on ne peut pas faire 10 choses en même temps. Ta femme peut mettre le café là, aller pour regarder ton plat au feu, tout ça. Mais nous, les hommes, on ne peut pas faire 10 choses en même temps. Moi, je pense qu'il faut aller par parcimonie et puis prendre le temps. Parce que le seul maître du temps, c'est Dieu. C'est lui qui décide quand tu quittes. Mais je me dis, si tu as des objectifs, et c'est ce que je conseille à toutes mes équipes, à tous ceux avec qui je travaille, on fait des objectifs à court terme. De cette semaine-là, il faut que j'arrive à faire ça. Si je n'arrive pas, c'est pas grave, tu remets. Le mois prochain, c'est ça. L'année prochaine, c'est ça. Et donc, ainsi de suite. C'est ça. Mais ton dernier album devait être produit par le PDG de Ivoire FM, Ivoire TV, M. Zoumana Bakayoko. Et ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? De vous deux, qui n'a pas respecté sa parole? Moi, mon dernier album. Non, qui n'a pas dit qui a doublé qui, c'est mieux que... Bon, en tout cas, ils se connaissent les deux. Le dernier devait être produit par Zoumbak, le PDG de Ivoire FM, Ivoire TV. Zoumbak s'est proposé de produire mon album. Je pense qu'il a l'intérêt, mon album actuel. D'accord. Produire mon album actuel, c'est compliqué. Je ne vois pas la société qui peut produire cet album-là actuellement. Je veux dire, sur le marché, je ne vois pas. Qui peut produire cet album? C'est un peu sans modestie quand tu parles comme ça. Oui, si vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de qu'on dise que je ne suis pas modeste, que je ne suis pas humble, mais je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Il n'est pas à la hauteur de produire ton album?
Non, mais beaucoup de gens ne sont pas à la hauteur de produire cet album-là. C'est très simple. Si je veux partir en thème complètement financier, quand tu vas avec 14 personnes faire des enregistrements live et qui donnent un mois à l'hôtel, quand tu vas produire l'album, tu vas être obligé de me payer tout ce qui a été investi. Bien sûr, oui. Avant qu'on arrive à l'étape des clips. Et quand tu prends quelqu'un qui a sa 20e année de carrière, il y a un certain niveau. Tu n'as pas demandé à Zumbak, qui est mon frère, de venir mettre 100 millions, 200 millions sur moi. Ce que je peux faire pour mon frère Zumbak, s'il est toujours intéressé, il me donne des parts dans Ivan Music TV, au moins 10%, 20%, je donne l'album. Je suis un homme d'affaires. Donc, tu peux en rigoler, mais c'est la vérité. Non, je n'en rigole pas. J'imagine sa réponse concernant ça, en fait. Non, non, et non, bon, faut pas imaginer sa réponse. Parce que c'est pas ce que je me dis entre moi et mon frère. Tout à fait. Il ne faut pas faire. C'est-à-dire, il faut nous laisser en nous. Lui et moi, là, c'est comme ça. Et puis, on a l'ONU au milieu. D'accord. Femme, je te fais des gros bios, c'est ma petite soeur. À propos, il a dit. C'est prétentieux. Alors, qui a produit cet album? Et ça a coûté combien? Mola a produit cet album et puis ça a coûté beaucoup d'argent. On n'a pas encore fait les calculs. Et puis j'ai eu le soutien quand même aux enregistrements live de Sa Majesté, le roi du Maroc, qui nous a offert le studio pour l'enregistrement, l'hébergement, l'hôtel. Mais la production de l'album, c'est moi, parce qu'à la fin, même quand on t'offre un voyage, on t'offre un studio, tes musiciens, c'est toi qui les payes. Et donc, on est sur un mois, parce que quand tu veux aller enregistrer en live, c'est compliqué. Je ne suis pas parti qu'avec mes musiciens, je suis parti avec Champikino. Je suis parti aussi avec. Je suis parti avec trois arrangeurs. Donc, on a un studio gratuit, on a l'hôtel gratuit, mais tout le monde doit être réglé. Et ce n'était pas facile, mais on était content d'être dans cette condition. Ensuite, on est revenu, et il y a tous les autres qui sont avec Baby Philippe. J'ai essayé de travailler vraiment avec tout ce que vous connaissez comme arrangeur, et des surprises des gens que vous ne connaissez pas, comme Nando Guitar, qui a arrangé un titre qu'on ne connaît que comme guitariste, mais qui est arrangeur. Voilà. À propos, vous avez dit tout à l'heure que c'est le roi du Maroc. Le roi du Maroc. Oui, ça m'a fait. Il y a des langues qui disent, mais attends, la guerre c'est aujourd'hui, Moulard, ça va chez lui, c'est parce qu'il mange avec le pouvoir. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. Et je dis devant votre caméra ici, le pouvoir ne me donne pas à manger. Et ça, je vais nettoyer cette image-là clairement devant toutes les personnes de Côte d'Ivoire. Le pouvoir de ce pays de Côte d'Ivoire ne me donne aucunement à manger. Vous allez regarder, vous allez partir dans, fouiller dans tous nos contrats de M Group. Je le dis et que ce soit clair et audible pour tout le monde, on n'a jamais eu de contrat d'État pour organiser une quelconque activité. On pleure pour les soutiens. Pourtant, je vais rappeler aux Ivoiriens qu'en 2010, si j'étais sur les panneaux présidentiels, j'ai risqué ma vie pour le président en place, mais je n'ai jamais. Pourquoi risquer sa vie? T'as fait une publicité? Non, je n'ai pas fait une publicité, mais c'était un risque de vie. Non, pas, vous ne voyez pas ça comme ça. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Je ne suis pas en train d'accuser l'autre. Mais je pense que déjà, on va aller dans la modération parce que déjà, il y a la prochaine, quand c'est en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il y aura des appels d'offres. Non, on n'est pas dans la modération. Je pense que tu vas venir me couper les mots. Ce qui n'est pas le fait, n'est pas le fait. Quand vous dites que... Mais cette campagne que vous avez menée, le coupé décalé, vous avez été payé? Non, excusez-moi, monsieur. La campagne n'a pas été menée par le coupé décalé. Voilà. Si c'est le coupé décalé, quand vous regardez les panneaux, il y avait Antoine Talani, il y avait Moula, et puis il y avait Lago Poulet. Donc, ce n'est pas une campagne qui a été menée par le coupé décalé. Et les répartitions ne sont pas venues. Et donc, quand vous me posez des questions, laissez-moi le libre arbitre de répondre. Je suis moriféré sous mon rôle. Je vous dis la vérité. Parce que dans la tête des Ivoiriens, je suis au contact du pouvoir, je mange avec le pouvoir. Je ne mange pas avec le pouvoir. Ceux qui mangent avec le pouvoir, ils sont là. Moi, je travaille. Je paye les mêmes taxes que tout le monde. Je paye les mêmes impôts que tout le monde. Et peut-être à mon influence, pour paraître, vous avez le sentiment qu'on me prend de l'argent pour me donner. Mais nous, on croit qu'au travail, au quotidien, et ceux qui font que nous évoluons et que nous avançons, ce sont mes équipes des jeunes qui font pas le temps qui passe ici. À la fois, tu as eu à passer plusieurs fois ici, on compte pas les heures. Bien sûr. Donc, on ne mange pas avec le pouvoir. Tu ne manges pas avec le pouvoir, mais le pouvoir est un support pour toi, fait Ahmed Bakayoko. Non. Ahmed Bakayoko, c'était mon aîné, mon grand frère, et il n'y avait pas une question de pouvoir avant. Je connais Ahmed Bakayoko depuis 1995. C'est mon grand frère, je vous l'ai dit encore dans d'autres interviews aussi. Ahmed Bakayoko, il n'a jamais mis le pouvoir ici. Je vous donne une anecdote. Pendant la campagne de 2010, j'ai été contacté par Angelo Kabila. Et le président Bégoudé, que je passe, à qui je passe le bonjour, parce que j'ai contacté. Non, on n'a rien contre ça. Non, je vous dis, j'ai été contacté pour faire la campagne du président Babou.
la proposition financière était bonne. Oui. J'ai appelé mon grand frère maître. Je lui ai dit que grand, le pierre qu'on me propose là, c'est bon. Pour vous montrer l'humanité de la personne, il m'a dit, Maurice, si l'argent qu'il te propose va t'arranger, il faut prendre parce que ça ne va rien changer dans nos rapports. Ouais. C'est moi-même sur la route, en partant, leader team à l'époque, à Turc, j'ai rappelé Angelo Kabila, qui est vivant, qui va vous dire que j'ai appelé le grand frère, il m'a dit que si je vais dans le pied, mais pas souci d'honnêteté, pas souci d'affection pour la personne dans le même qui a toujours été présent pour moi. Je ne peux pas aller faire votre campagne, je vais rester dans le camp que j'ai choisi et tout. Dans le camp que tu choisis. Dans le camp que j'ai choisi. Et effectivement, j'étais. Je ne le fais par conviction. Qui vous a dit que je le fais par pour argent? Mais le camp que tu as choisi, c'est le camp du pouvoir en place, non? Amel Patrick. Il n'était pas au pouvoir. Oui. On est d'accord, il ne faut pas traverser l'histoire. Parce que c'est une question-là qui traverse l'histoire. Mm-hmm. Il n'était pas au pouvoir. Le camp, je l'ai choisi en âme et conscience parce que j'avais des convictions. Mm-hmm. D'accord? Actuellement, là, tu penses que si l'État me donne un contrat, on va refuser? Nous, on est un groupe, on est une société événementielle. C'est ça, de l'implémentation. Numéro un, on tape nos portes, on dit on est numéro un parce qu'on travaille pour toutes les grandes entités mondiales qui sont résidentes en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Est. On a développé nos pôles, on a mis en avant. Avec le travail de ton équipe, on est d'accord? Non, il ne faut pas me dire avec le travail. Parce que tu sais, cette question, il faut que j'y réponde. Parce que c'est comme si vous banalisez. Mais parce que le truc, on ne banalise pas le travail de M Group, on ne te sous-estime pas. Mais Ahmed Bagayoko, Ahmed Bagayoko qui est le pouvoir, et a fait un support pour toi. Il fut un support pour toi. Les ouvertures que tu as eues. Non, jamais. Grâce à Ahmed Bagayoko, tu n'as pas eu des ouvertures. Non, non, non. Tu n'as pas eu des ouvertures. Je vous confirme que non. Mais dans toi, tes rapports avec Ahmed Bagayoko, quand il fait à son âme, c'était quoi? Bonjour, bonsoir, c'est limité à ça, le show. Non, c'était pas bonjour, bonsoir. Ahmed Bagayoko, le conseil qui te donne est plus important que l'argent. Si tu connais pas, c'est parce que tu connais pas Ahmed Bagayoko. Ahmed Bagayoko, le conseil qui te donne, quand tu es frustré à un moment pour dire que tu ne reçois pas le contrat de l'État, tu sais, il dit que vous n'avez pas besoin de ça. Tu sais, de trouver tes deux mains. Quand tu vas travailler, les gens vont te trouver toi-même pour donner les contrats. On va passer. Je suis Ahmed Nini. Si il n'a jamais été un support pour toi, on va passer à autre chose. Ce que tu racontes, c'est du n'importe. Support pour moi, support en termes de conseil, en termes de présence. Mais quand tu dis support financier. Support financier, support marché. Je te dis non. D'accord. Donc, ça va. Je confirme ici. Tous ces services, tous ceux qui sont autour dans ces services sont vivants. D'accord. Je n'ai jamais eu un marché. On salue Ahmed Ouattara. Oui, tu salues Ahmed Ouattara. On salue Tony Jean-Yves. Qui? Jean-Yves, Tony. Tony. Oui. Salut tout le monde. Ouais, ouais. Encore, il y en a encore. Il y a Issou, il y a Poul. Faut leur demander s'ils ont déjà trouvé un marché. Jamais. 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 En tout cas, si réellement c'est le cas, moi je te salue, je te tends la main. Parce que c'est ce que la Côte d'Ivoire dit, que feu Ahmed Bakayoko que tes supports pour toi et te donner des marchés, même quand tu avais des problèmes, quand tu l'appelais, il est tout fait. Moi-même, si c'est le contraire, on est content. Non, non, non. Quand j'appelais le Premier ministre Ahmed Bakayoko, quand je vais le voir, c'est mon grand frère, mais quand le Premier ministre, je suis parti les 100 milliards de fois où je suis parti voir Ahmed Bagayoko, à 99%, c'était pour régler des problèmes d'autres artistes. Ouais. Et Dieu est dans nos cœurs et puis il voit. Ouais. C'est pour cela que quand les gentils descendent pour me tirer vers le bas, Dieu fait ça. Parce que je suis toujours parti pleurer pour les autres. Ouais. Je dis devant la caméra, Ahmed Bagayoko ne m'a jamais donné le contrat. Mm-hmm. Il n'a jamais permis qu'on me donne un contrat pour organiser une quelconque activité. Ça, je te dis, certifié, signé, validé, devant tout le monde, tous ceux qui sont dans son écurie, qui sont vivants, tu peux les voir en offre, tu vas dire. Et même tu peux m'amener mes arbres pour dire, moi, tu vas mentir, parce qu'il y a eu tel contrat. Jamais. Jamais. La dernière fois, je voulais lui faire plaisir, on s'est associé à Yodé, Siro, tout ça, c'est nous-mêmes qui avons mis notre argent encore pour aller faire sa campagne parce qu'on pensait qu'il était malade et comme il n'était pas. Il allait revenir à Séguéla. Il allait revenir. Maintenant, Ahmed Bagayoko, de Mola à lui, de Maurice Ferré Soumaro à lui, quand il y a anniversaire de mes enfants, envoyer une enveloppe à Maurice pour faire anniversaire de ses enfants. Quand il y a Tabaski, Tabaski donné pour que Maurice tue mouton, c'est-à-dire que mon père est décédé, c'est la première personne à courir pour venir s'asseoir là. Il va appeler l'hôpital, je lui dis non, il ne veut pas. Mais marcher Ahmed Bagayoko à Maurice Ferré Soumaro, jamais. De la vie. Il m'a jamais appelé un ministère pour dire. Sinon, mon frère, à l'heure là, ce que vous dites là, vous n'avez plus dit. Parce que moi-même, j'allais vous montrer c'est quoi on avait marché. Marché, c'est clair. D'accord. Ça, même groupe bâtiment est petit. C'est petit. Alors, moi, c'est de tourner la page. Je rebondis parce qu'il a dit quand il partait voir le feu pour un ministre à Ahmed Bagayoko, c'était pour intervenir auprès des artistes. En tout cas... Peut-être qu'il y a le comédien, mais il est intervenu pour vous. Hein. Et moi, il fait tout. Il y a le liste. Ok. Je vois que c'est un artiste qui aide les artistes à travers son événement qu'on appelle le Primude. Mm-hmm. Alors, le Primude,
À chaque fois qu'il y a premier, il y a bruit. Mais moi, personnellement, je voulais demander, ceux qui gagnent le premier, après les écrans, je veux dire, après la manifestation, qu'est-ce que le M Group fait pour eux? Si je veux me faire comprendre. Non, je comprends. Voilà. Qu'est-ce que M Group fait pour ces artistes-là? Voici le premier, le vainqueur de premier. Qu'est-ce que artistiquement on fait pour nous? Mais pourquoi cette question ne la pose jamais au patron des de BET? Pourquoi on ne la pose jamais au patron des Energy Music Awards de TF1? Pourquoi on ne pose jamais ce genre de question? C'est une question de valorisation de la culture ivoirienne en Afrique. Si un groupe ne fait pas plus, on ne voit pas la quelle cérémonie de ce standing-là. Déjà, en termes de chiffres, quand on prend en termes de chiffres, il ne veut pas attaquer. L'activité que vous pensez qu'elle a plus suivie n'a pas plus d'activation sur le digital que nous. Par exemple, quand vous prenez Miss Côte d'Ivoire, je sais pas, il y a Bobby, c'est un grand, quand vous que j'adore. Mais les chiffres disent la vérité. Quand on a 400 000 SMS, ils sont peut-être à 150 000 SMS. Donc je veux dire, mais en même temps, ce n'est pas la même activité. Miss Côte d'Ivoire, c'est des gens inconnus qui viennent, qui représentent la couronne de la Côte d'Ivoire, mais la musique, c'est près de 250-300 personnes qui sont vraiment. Ce qui gagne en vérité. Quand ils finissent, c'est parce que c'est le problème. Les artistes qui ne le disent pas là, ils font des soirées, ils font des activations, les clips sont automatiquement rentrés dans les télés parce qu'ils sont clair. Ils communiquent, ils gagnent en visibilité et puis ils voyagent beaucoup plus à cause de cela. Mais c'est eux qui devraient le dire. Maintenant, quand on ne dit pas, nous on ne sait pas. Oui. Donc on demande. Non, je comprends. Et puis après, quand on parle des bruits. Tu ne peux pas faire une activité musicale, ça, c'est pour tout le monde. C'est pour les victoires de la musique, c'est pour les BTS. Bien sûr. Ouais, tu ne peux pas faire une activité où les gens sont en compétition et puis il n'y a pas de bruit. Mais depuis ces dernières années, depuis qu'on dit qu'il y a des bruits sur les primus, il n'y a jamais eu 10 artistes qui se sont retirés. Jamais, ouais. Donc de 250 à 300 personnes nominées, 4 personnes, 5 personnes, le maximum qu'on a eu, c'était une année où Arafat s'est retiré, Claire Bailly. Que Guevara et puis de Bordeaux, quatre personnes. C'est qui dans le reste? Les plus hauts, les plus lourds, artistes. Les plus connus parmi les retraits. Un moment, on a mis les chantres. Il y a un chantre qui s'est retiré. On a retiré les chantres parce qu'on ne sait pas comment les catégoriser. Ils sont pleins, les chantres mandingues sont pleins. Bon, en fait, Primude, c'est une activité où tu. On va rester dans le tempo Primude. Le dernier numéro de Primude fut un peu amer vu le manque des sponsors. Amer pour qui? Peut-être toi, il n'y a pas eu de sponsors. Non, ce n'était pas amer pour moi. Ce n'était pas amer pour toi. Parce qu'en ville, hein, moi je représente plus ou moins le peuple, en ville, il y a certaines qui disent que... Tu représentes toi, mais tu représentes tes chapeaux. Il y a certaines personnes qui disent que les sponsors disent que... Comme ça, pour t'asseoir, les personnalités du pays, même si on n'a pas dit, toi, tu représentes quel peuple. D'accord. Tu représentes ton peuple d'Ivoire, Musique TV, ton gardien là-bas. Ah, bonjour Marie Molato. Non, jamais. Tu peux pas, même Jean-Marie, tu ne peux pas le représenter. D'accord. Il anime avant toi. Oui, ça c'est vrai. La rumba. On est d'accord. Bon, ça fut un peu amer. C'est de l'eau, hein. Il fut un peu amer, parce que les gens disent que les sponsors ne sont pas venus sur ce dernier numéro. Et sans oublier que certains disent aussi que les sponsors disent que tu ne respectes pas tes engagements. Oh, personne ne t'a dit ça, arrête, ça c'est des conneries. Si tu ne respectes pas tes engagements, tu ne vas pas faire une activité. Prends 5 ans, je vais expliquer. Et puis, je vais protéger mon sponsor ancestral. Ancestral. Historique, disons. D'accord. Pas ancestral, mais historique. Mm-hmm. Non, on ne s'est juste pas entendu sur les montants, sinon ce n'est pas comme si... Sur des montants. Oui, ouais. Sur les montants qu'il fallait pour cette édition que je voulais. Ouais. Autrement, vous avez vu le plateau cette année. Ouais. Vous avez vu le nombre d'artistes internationaux qui sont venus, qui ont chanté. Mais quand tu veux faire évoluer ton activité, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Après, vraiment, c'est dans le cadre professionnel, je ne peux pas trop en dire, mais on a commencé déjà les discussions. On a commencé déjà les discussions pour l'année qui suit. C'est pas, il n'y avait pas manque de sponsors, il faut respecter les autres sponsors qui étaient là. J'ai dit que j'ai arrêté à cause du comportement même de ceux qui sont partie prenante de l'activité, soit c'est-à-dire les artistes. Il n'y a pas un truc où il n'y a pas une activité où on vous met en avant, où on essaie. Parce que vous avez ce que tu peux faire comme constat dans le tribut, c'est qu'on ait arrêté le festival. On a arrêté le festival parce que le festival, on prend 60 personnes, 70 personnes pour venir sur scène. On les paye, même si ce n'est pas énorme, mais on donne. Ils touchent quelque chose quand même. Ils touchent quelque chose, on ouvre, on met 30 000 personnes qui viennent regarder gratuitement. Ouais. On assure le quotidien derrière, et après, il y a une compréhension qui vient tuer le travail de tout le monde.
Mais chez les autres sponsors qui sont des brasseurs qui sont venus, il y a tout le monde, tous les autres sponsors. Mais ce numéro de primus t'a mis plus ou moins la Côte d'Ivoire dans un petit climat de tristesse. Pourquoi? Quand tu as dit que tu arrêtes les primus. Et pendant le spectacle, attends, ceux qui venaient... Excuse-moi, je te prends un mot. Donc, vous êtes triste qu'on arrête primus. Oui, moi j'ai fait un sondage, les gens étaient tristes. Et dans la salle, ils étaient tristes. Je développe dans la salle, ils étaient tristes. Pourquoi? Quand telle personne prenait le micro, j'offre tant à Mola. Quand elle prend le micro, j'offre tant à Mola. Mais, on s'est dit que mais qu'est-ce qui ne va pas? Mola n'est pas en défaillance, il a les moyens. Mais donc on retourne à la question que tu me posais, parce que c'est ça. C'est quand tu as tout le soutien de l'État, tu as tous les marchés de l'État là. Hein? Pourquoi tu as demandé l'argent encore déprimé? Puisqu'il me donne tout. Aujourd'hui, on vient à la cérémonie. Il y a le maire de Cocody qui a pris sur lui de dire qu'il paye la salle. Donc, c'est une promesse. Oui, mais c'est déjà fait. C'est raté. Monsieur Yassé. Oui, c'est une promesse qui a été faite. On était tous présents. Est-ce que c'est validé? L'Est a fait des promesses. Oui. Lui-même, en tant que maire, il a fini 10 salles. La salle fait 15 millions. Oh, oui. Moi-même, je lui donne 25 millions de matériel pour chacune de ses activités quand il veut. Waouh! C'est moi, j'ai annoncé ça à la salle. Si. Et tu as eu à remercier Makosso qui a été le premier à dire qu'il donnait combien? 1 million 5 millions. 3 millions. 3 millions. Mais tous ceux-là, ils seront encaissés. S'ils ne sont pas encaissés, vous allez être au courant. C'est quoi la date? Ah, mais oui. On a dit ça dehors. D'accord. Il n'a pas encore donné. Non, on attend. C'est pour l'autre activité. Ah. C'est pour l'autre. Mais moi, tu sais que. 3 millions. Ma soeur Fatimi Sidimé qui doit donner 3 millions. Bien sûr, oui. Il y a Ibawan. Oui, oui. 3 millions. C'est dit qui? C'est dit qui? Heureusement, il faut réviser la. Et sans oublier le ministre. Et le ministre. Ça arrive, ils vont donner le bien. Voilà. Le ministre a dit il allait donner de l'argent. D'accord. Lui, on devait se voir. Et le ministre, je ne l'ai pas encore vu. Voilà. De nature, tu es beaucoup quelqu'un qui sensibilise la jeunesse. Je ne parle pas de ça. Mais oui, c'est moi, j'aurais venu ça. Il n'a pas encore reçu. Depuis primus. Sans cela, je parle de promesses. Sans cela, je n'ai pas de promesses parce que pas mal de personnes. Le lendemain, je n'ai pas reçu. Mais est-ce que tu es en contact avec le ministre? Tu es allé là-bas. Monsieur le ministre. Non, tu es en contact, c'est différent. J'ai revu le ministre, il a dit que vraiment ce n'est pas ses équipes, c'est lui, mais il est un peu occupé. Son calendrier est occupé. Monsieur le ministre. C'est un ministre qui nous a soutenus dans d'autres. Monsieur le ministre, nous sommes à Ivoire TV sur le bouquet 209. Vous avez promis de l'argent au PDG de M Group pour le prochain numéro de. Non, pas pour le prochain numéro, c'était le numéro à finir. Ce numéro, voilà. Donc, franchement, c'est une doléance, quoi. Essayez de voir votre calendrier, on en a besoin. Trouvez le temps pour Mola. Quoi? On a besoin. Et si tu as ça, il y a ça. Monsieur le ministre, c'est devant la nation que vous avez promis quelque chose à Moula. De côté, va dire. Monsieur le ministre, il ne faut pas gâter ton nom. Pardon. Donner ce qui lui revient. Mais faut rappeler à Makosso aussi. En même temps, non, Makosso, ça c'est pour la prochaine décision. Mais en même temps, je voulais dire quelque chose de clair et franc devant monsieur le ministre. Vous êtes allé, mais c'est quelqu'un qui n'intéresse pas le ministre. Bien sûr, bien sûr. C'est une petite pique qu'on entend de lancer. Mori. De lui lancer. Attends, je vais finir. Le il faut reconnaître que depuis qu'on a commencé cette activité, si vous faites attention, c'est le seul ministre qui, chaque édition, est venu donner les trophées. Qui l'a donné, qui n'a pas donné, la DIAF, a assumé sa participation à plusieurs reprises. Oui. Mais le pecto, là, m'a manqué. Le pecto t'a manqué. Mais le pecto, il faut que ça. Mais pour avoir une idée un peu poussée sur les 20 ans de Coupé Décalé, c'est quel site qui a été choisi? C'est quelle salle? C'est quelle date? Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Les 20 ans de Coupé Décalé ne vont pas se passer comme si c'était les 20 ans. Un spectacle, non. Un spectacle. C'est une tournée. Il faut 20 points chauds, il faut 20 pays. Il faut... Et donc, on a besoin de voir tout le monde. Ah, d'accord. 20 ans de Coupé Décalé, c'est pas possible que Zumbak, qui a fait le premier concert, ne fasse pas une activité spéciale autour de sa chaîne de télévision bien sûr. Qu'on vienne faire les 20 ans de Coupé Décalé spécial Ivoire Musique TV. Je veux dire, tous ceux qui nous ont apporté, on doit faire quelque chose pour qu'ils en profitent parce qu'ils ont été insultés aussi. Beaucoup, et quand il a fallu les glorifier, ils ont été glorifiés aussi. Ouais. Mais à un moment, c'est l'année bilan. Ouais. On est arrivé où? On est parti où? Ouais. Tout ce temps-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut transmettre maintenant comme message pour ne pas que les jeunes qui viennent, qui lancent, qui rentrent dans le mouvement fassent nos erreurs, nos bêtises et des discussions? Donc, vous concevez un mot que ce n'est pas une question de personne. Côté vie sentimentale, les gens ne parlent pas beaucoup. On parle de bon. On parle pas, les gens ne parlent pas beaucoup. Il paraît que tu tapes souvent les petites découpées décalées là. C'est vrai. J'ai un parrain, quoi. Va côté parrain, il faut laisser ça. Tu comprends bien ces français-là. Je ne comprends pas. Les un parrain. Bon, on dit que par moment. Il y a combien de petits dans Coupé Décalé? Coupé Décalé, il y a combien de petits? Il y a des filles qui chantent, il y a beaucoup de filles qui chantent dans Coupé Décalé. Il y a Vital qui chante, il y a Bamba Misara qui chante, il y a. Tu n'as même pas cité 6. Il y a Claire Bailly, il y a Janine Klein. Elle a commencé dans Coupé Décalé avant d'aller chez Jésus. Il y a Janine Klein. Christine a dit. Non! Mais en tout cas, les gens disent, mais on n'a pas de preuve. Mais tu fais ça discrètement, normalement c'est caché. En tout cas, faut boire. En général, je suis un homme discret. En général, je suis un homme discret. Donc, quand tu jettes, c'est caché.
Non, je veux dire, tu veux me demander quoi? Il y a eu des relations et des rapports avec des filles ou c'est... Eh, c'est relation. Toi, tu fais pas relation? Ah bon, toi, tu sais quoi? Je n'ai jamais dit. Il a du mal à répondre, mesdames, messieurs. Non. C'est-à-dire que dans le milieu coupé d'accueil, il y a les petites qui tapent de temps en temps. Non, dans le milieu coupé d'accueil, tu n'as pas les... Je t'appelle les grands là. Ouais, mais si tu veux les grands. Mais bon, les grands, il y a qui dedans? Il n'y a pas grand. Mais non, non, il n'y a pas. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est beaucoup sollicité. Il y a les personnes qui viennent tout le temps à M Group avec des courriers, des demandes d'aide. Tu ne le fais pas forcément les artistes. Cette bonté-là, l'Afrique reconnaît ça en toi. Et où tu tires cette force-là? Anaconda, tu sais que quand tu partages, oui. Il y a un bon sentiment dedans. Ceux qui n'ont pas essayé, qu'ils essaient. Mm-hmm. Il y a un bon sentiment. Ouais. Et puis, la vérité, on dit que les gens ne sont pas reconnaissants, mais sur 80% des passages, du partage, les gens sont reconnaissants. Et puis, en vérité, j'ai compris, en fait, qu'il n'y a pas un problème qui dure plus de 2-3 jours. Wow. C'est-à-dire... Et puis, après les années, tu oublies. Et les gens qui ont monté une activité, ça ne peut que t'amener à continuer à contribuer. C'est-à-dire qu'il y a une go, il est pris là, elle est venue, elle a fait à loco, elle est partie, elle a monté, c'est devenu deux coins dans le coup. Ouais. Et puis elle fait en ligne. Aujourd'hui, là, elle donne concours aux gens. Parce que la première chose qu'elle te donne pour monter ton activité, faire ton business, je dis que si tu peux aider d'autres personnes au moment où tu es en train de faire la foule. Et tu fais quelque chose encore qui va au-delà. C'est-à-dire, même sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un te sollicite, pardon, tu réponds en commentaire, tu prends des rendez-vous. Je vois tout ça, ça, franchement. Grand frère, je ne sais pas si tu fais ce, oui, as fait ce constat. La preuve, mon collègue, mon jeune frère Dibu, on était en plein tournage de notre série, La Grande Famille, il me dit, hey, malhonnête, parce que lui et moi, c'est notre pote. Ouais, il dit, Malo, il y a Mola qui va me produire. Mola te produit. Lui, sa musique, quel rapport? Et après, j'ai vu le spectacle. Alors, comme il a dit, c'est parce que Mola, où il dit cet argent-là? Comment il fait l'argent-là? Tu as beaucoup d'argent? J'ai de l'argent. Beaucoup d'argent? Non, mais les Ivoiriens ont un problème là. J'ai beaucoup d'argent. Ouais. J'ai beaucoup d'argent parce que, en vérité, on dit que je ne suis pas œuvre. Mais l'argent, c'est l'homme qui cherche. Ouais. Je veux dire, c'est au moment où d'autres personnes vont penser que c'est une hérésie de prendre du goût. Quand je dis que je fais 25 ans du goût, je fais réunion avec 10 000 personnes, dit qu'il ne va jamais marcher. Ça ne va jamais réussir. Moi, je crois en l'homme avant l'argent. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent. C'est clair. Parce que je vais voir Jean-Marie Mouloto, je vais le mettre dans un système et je vais visualiser l'argent. Il n'a qu'à signer mon papier sur moi et puis je vais commencer le reste. À travailler le mental. Et l'argent rentre. Quand on est parti du mieux, quand on a vendu sur tes tickets en 2 semaines, 3 semaines, on a fini l'activation. Et cette année, on va faire les 25 ans de 1 an. On va célébrer les 25 ans. On va célébrer les 1 an des 25 ans de carrière. Bah, on a bien cherché. Bon, à part du mieux, il y a encore d'autres qui sont là. Non, il y a d'autres qui sont là et je suis en train de. Il y a deux côtés qui sont là. On avait deux côtés là, mais on va discuter après. Mais c'est une question de discussion, c'est une question de positionnement. Et tu sais, même si. J'avais perdu, injecté de l'argent que j'avais perdu en Dibu. Ça m'a crédibilisé au certain, au niveau de certaines personnes. Donc vous, à votre genre. Monsieur, j'ai dit, mais attends, et c'est pas que musique seulement, il fait, mais il fait les, du théâtre. Il fait les autres choses. Et ça fait que vous, ça vous a rassuré, mais ça rassure aussi des gens. D'un certain âge et d'un certain nombre de carrières que je ne vais pas citer le nom. Mais il y a 4-5 personnes, vous allez voir cette photo dans les jours à venir, qui ont décidé de confier leur activité, même avec leur argent, à nous. Je voulais revenir un peu sur les 20 ans de coupé de carré. Dans le coupé, il y a des personnes qui ont laissé coupé de carré, qui ont donné leur vie à Jésus, tels que Vitu Lulas, Claire Bailly. Bon, Défalé, oui. Est-ce que ceux-là seront là? Puisque Défalé, t'es pas sûr. lui dit qu'il n'est pas dedans. Pourquoi? Non, ceux qui ont quitté. Pourquoi vous levez pour mélanger la foi avec l'avenir? Qu'est-ce que le coupé décalé vous a fait? Il faut poser la question à Vétou Lelas et puis à Claire Bailly. C'est eux qui ont laissé coupé décalé aller de l'autre côté. Non, je suis désolé. Vétou Lelas et Claire Bailly, ce sont des personnes qui se nourrissent d'intelligence. Et qui sont très intelligentes, ouais. Des personnes intelligentes. Mmh. Et donc, n'est pas dans le coupé de cadet, on ne va pas célébrer le coupé de cadet et puis oublier leur parcours. Ça fait partie de leur vie. Félicitations. Au contraire, quand tu viens, que tu rentres en Dieu, que dans ta vie, tu as passé le coupé de cadet que eux ils ont pratiqué,
ils ont pratiqué leur coupé décalé dans leur genre musical, ouais. Au studio, ouais. Ils ont fini au studio. Mm-hmm. Ce qu'ils ont fait au dehors, en dehors, aller dans les Canaries ou bien aller faire autre chose, comme ils l'ont dit eux-mêmes, ça n'a rien à voir avec le coupé. Ah, il y en a qui vont dans les Canaries. Mais Dieu là, il a dit, moi j'ai suivi cette interview, il a dit qu'il est parti faire médicament pour avoir ces trucs. Mm-hmm. J'ai suivi, je veux dire, pourquoi, tu sais, à la Condé, c'est vous qui faites que 20 ans après, un mouvement qui est respecté par tout le monde dans le monde entier, on vient encore avoir les mêmes discussions comme ça en Côte d'Ivoire. Claire Bailly se retire, elle ne se retire pas de coupé décalé, elle se retire de la musique du monde, comme il l'appelle. Mm-hmm. Ce n'est pas, elle se retire du coupé décalé. Quand elle fait le coupé décalé, elle fait le coupé décalé en studio. Ce qu'elle fait en dehors du studio, mm-hmm. qu'elle ne vous montre pas à la télé, ah, ce okay. n'est pas du coupé décalé. Wow. Quand Vétoulian va voir son marabout, il n'est pas en train de faire du coupé décalé. Tu n'es pas avec lui. Qui te dit va voir son marabout? Mais il a dit. Claire Bailly a dit qu'elle a fait des choses pendant qu'elle était artiste de coupé décalé. Être artiste de coupé décalé dans le coupé décalé, ce n'est pas la même chose. C'est clair, oui. Un artiste. Oui. Mais attends, c'est comme si je sors mon clip hier mm-hmm. et le clip est en train de bombarder et puis je suis dans le coupé décalé. Je suis un artiste bien sûr. Du coupé décalé qui a sorti une œuvre du coupé décalé. Ah, ça... Le fait que j'ai trompé une femme ou bien fait, tu ne sais pas dit que c'est le quotidien des gens qui sont dans le coupé décalé qui pratiquent le coupé décalé. Il y a des chefs d'entreprise, dont moi. Non, oui. Mais le coupé décalé a entraîné beaucoup de choses. Ça, c'est votre avis. Le coupé décalé a mené les juristes de Bizi avec les brouteurs. Non, vous n'êtes pas. Vous, ça va être l'évolution normale d'un pays. Quand il y a un pays où il y a 68% de jeunes, hein? Vous t'attendez à plein de phénomènes. Et tu comment ça? Pas le coupé décalé. Parce que je veux que vous arrêtez ça. Pourquoi? Parce que. Mais est-ce que ce n'est pas un fait réel? Dans un mois, vous allez insulter tous les petits rappeurs ivoiriens qu'ils ont amené quoi? La drogue? Ça n'existait pas en fait. Là, puis voyez, c'est pas s'il y a des drogues. Si tu filmes drogue. Hein? Avant le coupé décalé, on t'a pas appris ça? C'est pas le coupé décalé qui t'a appris comment plaquer et puis mettre tes grosses lunettes. Oui, mais ça, c'est un style. Mais coupé décalé, ça a mené les jeunesses des busy. Parce que même quand nous, on met un habit, on dit que non, c'est le coupé décalé qui a amené. Comme si on est parti, mais ça, j'ai construit moi un habit coupé décalé. Mais est-ce que vous n'avez pas amené les petits à être brouteurs pour avoir l'argent fait travailler moi? Anaconda, yes, mon frère. Que je te connais. Il y avait pas les busy avant. Non, il n'y avait pas busy. Tu racontes n'importe quoi. Parce que toi-même, tu as tapé les faux businesses ici, jusqu'à fatiguer, dans ton faux bar que tu as très vite là. Il va me tuer, mon gars, là. Il va me tuer, mon gars. Toi et puis, Bruno Bango, là. Les gros que vous prenez, vous ne connaissez pas le travail. Couper les calais à 20 ans. Est-ce qu'il y a 20 ans, il y avait Internet? Non, je t'ai dit que le couper décalé a créé le mouvement Brutage et ça a créé le mouvement Busy. Mais les jeunes filles qui. Tu as pas beau au milieu des moutons, vous êtes dans des foules. Non, ce n'est pas ce que Didier Leo a dit. Didier Leo, c'est le Didier des brouteurs. Là, lui-même le sait. Est-ce qu'il a dit paix à son âme? Maurice, à l'époque, quand tu es arrivé, tu faisais tes affaires. Tu étais le seul gars qui donnait de l'argent normalement. Toi, là, c'est pas mal de personnes. Il n'y avait pas un mouvement de brou. Mais aujourd'hui, des petits enfants de 15 ans, 20 ans, ils lancent 1 million. Il faut qu'ils travaillent. Mon c'est Coupé Décalé qui a envoyé ça. Je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Très simple. Nous, là, quand on a commencé notre Coupé Décalé, il n'y a pas ordinateur. Oui, oui. Mais il y avait 3615. 3615, c'est quoi? Faut expliquer c'est quoi 3615. Il y avait 3615, on dirait 3615. Tu sais de quelle famille je viens? D'accord. Mais au moins, quand il m'avait fait réunion de famille aujourd'hui, là, on ne fait pas réunion. Moi, parce que tout ce qui est pour moi, c'est pour moi. C'est clair, oui. Voilà. Oui. Donc, quand tu parles de 3615 et puis tu parles de busy des filles, oui. Mais il y a quelqu'un qui a vendu les femmes en quoi de voir que toi et puis chose. Il a laissé le nom de mon frère, pas toi-même d'abord. Tu étais manager. C'est quel frère? Tu étais manager à Bokolo, non? Mais pourquoi, quand on parle de ce mouvement, tu te fâches en tant que tu PDG? Tu ne peux pas me parler, laisse affaire de PDG. Oui, non. Tu n'as pas de couper les gars, tu dis couper les gars, amener busy. Attends. Tu te fais on dit. Mais la plupart des petites filles que j'ai visées là, c'est les petites filles de couper décalé. Tu as 25 ans dans les boîtes de nuit, tu as presque 55 ans. Donc toi-même, tu as vendu combien de trucs d'abord? Moi, je. C'est nous, on a mené ça en Côte d'Ivoire. Non, votre mouvement. Tu es le champion de ça? Votre mouvement a créé ça. On salue Germaine. Oh, je ne la salue pas. D'accord. On parle de business, pas maintenant de Germaine. Tu as présenté les gens. Une nuit même, tu étais en train de manager à quelque chose. Sans busy, tout ce qui a pris le micro, il a commencé à citer le mot. Ah, tu te souviens, toi tu dis. Ah, d'accord, non. Ça peut avoir un coupé décalé. La société évolue. Maintenant, c'est aux politiques de faire en sorte que la société évolue bien. C'est ah, donc c'est la pauvreté qui a mené les busy alors? Mais ça, bien sûr. Mais la plupart des filles busy là, c'est des envieuses. Non. Elles veulent s'habiller comme les filles de coupé décalé, qu'ils ont les Chanel, qu'ils ont les gros sacs. On n'en va jamais. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas dans le jugement de quelqu'un. Oui. Moi, je sais qu'une situation peut mener à une situation. Je comprends la vie comme ça. Mais toi, tu rentres encore devant quelle année?
quand tu reviens. Sinon, ici, il ne voit rien. Je sais. Quand non, tu quittes Paris. Ça te regarde pas. Non, parce que quand toi, tu rentres, je pense que c'est en 2000-2001, plus ou moins. Quand tu rentres là, est-ce que tu attendais parler des brouteurs? Oui, oui. Mais quand toi, tu rentres. Oui, quand toi, tu rentres. Ne pas me confondre avec qui tu parles là. D'accord. Quand toi, tu rentres là. Quand toi, tu rentres. 27 ans de ma vie. Oui, mais quand toi, tu rentres, il n'y avait pas de brouteurs en Côte d'Ivoire. Tu ne rentres pas. Oui. Non, Maurice, quand tu rentres, avant que tu rentres en studio, fais Bouka, ainsi de suite, il n'y avait pas de brouteurs en Côte d'Ivoire. Que tu es en train de dire brouteurs. C'est vous qui avez donné une dénomination à l'activité de certains jeunes, l'activité illicite de certains jeunes. Mais comment on appelle cette activité-là? Je n'en sais rien, moi. Tu as un nom dans le dictionnaire qui dit broutage. Parle-moi du boucan qui est dans le dictionnaire. Le boucan, c'est vous. Là, on est d'accord. Ok. Nous, chacun a fait le boucan plus ou moins. Là, même, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Non, on est d'accord. En plus, c'est dans mes locaux, je fais ce que je veux. Bien sûr. Je peux te mettre dehors, en fait. C'est pas une explication. Tu peux le mettre dans mes choix, appeler la famille Bakayoko. Je ne sais même pas même si tu as des bons rapports avec eux. Je peux pas appeler la famille Bakayoko. Est-ce que tu as des bons rapports avec la famille Bakayoko? Puisque les un an, tu n'étais pas là. C'est ma famille. Mais un an. De Ahmed Bakayoko. Sinon, il ne faut pas dire que je n'étais pas là. Tu étais là. Forcément, je suis forcément invité, je suis forcément là. Et donc, tu vois, le matin, vu venir s'asseoir devant les caméras, quand tu as affecté, tu te mets à arrêtera, oui. Quand tu écris sur WhatsApp, c'est quelle photo tu vois? La photo n'a pas changé. Non, n'a pas changé. Voilà. Donc, je dis, il y a des moments où le bruit a besoin de silence. Ah oh, oui. Est-ce que tu as compris? Aujourd'hui, il y a des personnes qui t'approchent. Je pense que ces personnes-là doivent dire Dieu merci. Parce qu'à l'époque, pour approcher un gars comme Moula, c'était tout un mythe. Aujourd'hui, tout le monde a accès à lui. Non, tu vois, pour certaines personnes, quand on dit le Moula. Mon frère, est-ce que depuis que tu me connais, je me suis toujours est-ce que je me suis déjà considéré devant toi comme un mythe? Non. Oui. Parce que tu es dans la modestie. C'est pas la modestie. Même quand tu jettes l'argent. Ça sert à quoi? Je dis ça sert à quoi? Tu peux pas respirer, tu es concentré, tu ne peux pas montrer que tu es toi-même devant les gens. Moi, pas de qui vient de mes photos, je vais t'attacher, je vais me moquer. J'ai même dit elle a peur de venir dans mon bureau parce qu'elle sait qu'un jus va sortir bien petit, mon kill va sortir. Et je ne vais pas changer pour les gens. D'accord. Ce n'est pas aujourd'hui, ça ne va jamais changer. C'est ta nature. Parce que si ça devait changer, et avec tous les coups que j'ai précisés, il faut que les gens comprennent. À partir de 18 ans, une fois que tu arrives à un moment, tu ne peux plus changer. On t'accepte comme tu es. Et puis, il faut aussi avoir la décence d'accepter les gens comme ils sont. Le grand va t'écouter à propos de beaucoup de questions. J'espère en tout cas que j'ai éclairé. Ouais. Les gens, je suis plein de points. Moi, je suis le seul gars dans l'événement, c'est la Côte d'Ivoire, d'une autorité publique qui réussit cet événement, qui n'a pas de contrat d'État. J'ai besoin d'avoir des contrats d'État aussi pour nourrir aussi mes employés. Et je dis devant tous les Ivoiriens, je n'en ai pas. C'est les entreprises privées qui me font gagner de l'argent. Parce que je ne comprends pas quand mon expertise de soit obligé d'aller dans un bureau pour aller pleurer pour avoir un contrat, alors que toutes les grandes marques internationales me font appel pour monter leurs activités. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Il faut que ce soit clair encore à la fin de cette émission là, que le grand Ahmed Bakayoko n'a jamais signé un papier pour lui donner des contrats à Moula. Aller donner un contrat à Moula, il n'a jamais signé un papier, il m'a jamais présenté quelqu'un pour me donner un contrat pour monter mon activité. Tous ceux qui travaillent avec moi ici, même s'ils quittent mon entreprise, le sauront. C'est que des entreprises privées qui nous ont permis d'être là où nous sommes. Et c'est les gens qui ont collaboré avec moi au quotidien, qui ont cru, qui ont souffert. J'aime les là, hors caméra, on est en train de regarder les trucs. Maintenant, le pouvoir en place aujourd'hui là ne t'apporte même pas grand chose. Le pouvoir en place ne m'apporte rien. Tu aurais dû suivre Blé Goudé dans le temps? Non, je n'aurais pas dû suivre Blé Goudé dans le temps. Le seul truc qui est vrai, c'est que le président de la République, je le sais, il n'est pas au courant de ça parce qu'il s'est dit que faut qu'il le sache. Parce qu'en vérité, quand les gens me voient, ils ne disent pas que j'ai fait. Mais Dieu merci, je remercie toutes les entreprises qui sont venues en Côte d'Ivoire parce que ça aussi. C'est son œuvre. Bien sûr, oui. Quand tu prends des grandes multinationales qui viennent en Côte d'Ivoire, qui font confiance à des jeunes qui travaillent, c'est son œuvre aussi. C'est son œuvre. Même si c'est à distance. Et puis, je suis fier parce que, quel que soit ce qui arrive, quel que soit le gouvernement qui arrive, quand je vais m'arrêter, on va me mélanger à un promoteur, à un autre promoteur. On sait qu'il va plus. La dernière fois, j'ai fait un post sur ma page. Je le dis. Il dit que la canne arrive. Ne fais pas être quand on a l'esprit. Effectivement, oui. Contactez-nous. Quel contrat on a eu? Zéro. Zéro. Vous allez voir, peut-être la canne va venir. Mais aujourd'hui, la CAN arrive, on ne va pas contacter. Il y a une très grande marque qui est partenaire de la Coupe du Monde qui m'a déjà confié la Coupe du Monde. Ah ouais, félicitations. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Mais dis-moi, tu es dans quel réseau puis ces personnes-là, eux, ils t'approchent? Mon frère, vas-y. Faut comme tout le monde, tu t'en vas, tu prends tes dossiers, tu les construis, et puis tu viens les défendre, et puis tu leur amènes des idées novatrices. Une personne ne va pas t'accompagner si tu ne leur apportes rien.
Donc tu prends tes dossiers, tu les prends. Les gens ils pensent que forcément, il faut venir faire la courbette. Ce n'est pas la courbette qui fait le changement. Le changement, c'est comment tu réfléchis, quelle vision tu as pour eux. Tu prends une marque, je prends ton t-shirt, je vois la marque là, je dis bon, voilà. On peut vous intégrer dans tel projet, dans tel, tel truc. Nous, c'est une fierté pour nous de savoir que le site le plus visité en Côte d'Ivoire, qui est un site commercial, machin, qui finit par IA, mais nous contactent pour monter leurs activités, pour faire leur campagne. Ouais. Je dis, on travaille avec tout le monde. Aujourd'hui, le week-end passé, on vient de finir l'activité de la chambre de commerce belge, avec l'ambassade de Belgique, avec l'Union européenne, sans être là à appeler un ministre, un truc. Parce que c'est ça qu'on est devenu. Mais moi, aujourd'hui, avec l'imagination que tu as, et le statut que tu as, et l'argent que tu as, ça t'arrive de payer des filles pour coucher avec elles? Non, je n'ai pas besoin de payer pour coucher les filles à la Kunda, je ne te ressens pas. Je t'ai posé une question, tu dis que tu ne me ressens pas. Il faut répondre à la question, tu dis que tu ne me ressens pas. Non seulement à la Kunda, elle paye les filles pour coucher, quoi. Il faut arrêter ça, il faut répondre à la question. Moi, je l'ai. Ah, mais c'est pas. Dès que tu fais lui parler. Mon souffrait, chacun son. D'après les jeunes, Il y a une question. Tu habites au baptême de mon fils samedi, j'ai la vieille là-bas. D'accord, c'est bon. J'ai la vieille. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'arrivé ici, j'ai vu la première fois. Ah, voilà, un coupé décaleur en répétition, chose que le plus souvent disent, ah, ceux-là, non. Bon, et puis j'ai vu beaucoup de jeunes ici, que je sais qu'ils travaillent ici. Merci. Ou du moins, ils viennent essayer de rêver ici. Ils bossent vraiment, c'est eux qui font compte. En tout cas, tout ça, c'est le coupé décalé qui a fait ça. En tout cas, merci. Non, c'est pas le coupé décalé qui a fait ça, c'est mon travail qui a fait ça. Le M Group. C'est toi qui as créé le coupé décalé. Oui, mais je suis parmi les créateurs. Mais voilà. C'est comme si tu vas prendre la crédibilité de Lino et puis Boroto. C'est pas eux, ils viennent pas m'aider ici. Hein. Non, je veux dire, ça va partir de là. Tu as vu aussi qu'il y a d'autres visions. Non, dans la vision, j'ai vu qu'il y avait des liens. Parce que les jeunes. Et je veux finir par ce conseil. Vraiment, merci, grand frère. Parce que. Entreprendre, c'est créer quelque chose qui n'existe pas ou améliorer quelque chose d'existant. Nous, on est venu trouver les choses existantes et puis on a essayé d'élever le niveau qui t'a perdu un peu d'argent, qui t'a donné un peu plus de visibilité. Mais c'est ça. Et que c'est à force d'abnégation, de courage. Plus tu vas travailler, plus tu vas être vu, plus les gens vont t'approcher et plus les gens vont penser. Ouais. Laissez les gens. Et grand frère, pour parler encore des bienfaits, plus ou moins, il a un artiste qu'il a pris tout à l'heure, enfin récemment, qui est Apoutu National, un blogueur qui l'a transformé en artiste chanteur. C'est quoi les qualités d'Apoutu? C'est qui t'a mené à le dénicher, la neveu devant les écrans en train de crier, mettez le cœur. Il va continuer à mettre le cœur. D'accord. C'est important parce que pour le business plan. Dans son business plan, il faut développer par rapport à ça. Mais comment ça se crée entre lui et toi, les rapports? Simplement, tu es en train de chanter sur tes directs, tu es en train d'interpréter les morceaux des gens. Oui. On teste en studio, on finit de tester en studio, on voit. Et puis après, quand tu les mets au pied des micros, il met au pied des micros. Aujourd'hui, il a compris. Oui. Il fait ses répétitions. Vous avez vu, il y a une émission sur l'autre télévision. Bien sûr, oui. Il a fait son émission. Oui. La semaine, il joue dans les clubs. Là, je lui ai dit, tu passes l'autre cap, parce que c'est les retards que nous on a pris. Les retards qu'on a pris. En fait, quand tu prends du retard sur quelque chose, tu as la visibilité, tu te dis que tu vas faire évoluer les choses. Ouais. Donc, il va commencer à bosser avec les répétitions, les musiciens en live. Justement, il y a un énorme featuring encore qui arrive. Wow. On a commencé à enregistrer, il y a un énorme featuring qui va déranger le problème. Et ça, c'est grâce au travail du M Group Lemola. Oui, non, mais tu peux, c'est ce que je dis. Le Mola M Group, oui. M Group, c'est une entité. Bien sûr, le Mola ne fait pas seul M Group. Oui. C'est-à-dire c'est le travail de toutes les équipes. Moi, je pour l'idée, l'imagination vient du Mola d'abord. L'imagination, il vient. Ça fait les choses. Quand pour aller signer pour tout, je ne lui ai pas donné l'autorisation. Oui. Donc, je pense à Vino aussi qui nous représente à Paris et toutes les personnes qui sont là. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on est dans un sentiment d'équipe. Chez nous ici à 18h, tu vas pas voir les gens. Habillés, restés comme ça, tout ça. Tout le monde est au feu, tout le monde travaille. Ouais. Et puis, les gens travaillent dans une vraie ambiance, en s'amusant. Mais pour mieux faire ce travail, tu n'as pas réconcilié Apoutu à Makoso. Makoso qui est un ami à toi. Makoso, c'est mon frère, mais voilà. Je ne suis pas l'ONU-ci. Je ne suis pas là pour réconcilier les gens. Je suis désolé, chacun a fait son travail. Tu as un problème avec Makoso, c'est juste ici?
Non, j'ai pas un problème. Mais à t'attendre, parler, c'est comme si tu es croisé avec lui. Bon partenaire. Mais oui. On vient de finir de cette croisade. Donc, tu as fait le choix entre Makossa et Apoutou alors. Non, ça, c'est ce que tu peux. Non, c'est pas ce que je peux. Mais quand je te parle des réconciliations, tu me dis que non, tu n'es pas. Non, mais oui. Mais c'est vous qui avez venu me conseiller. Non, c'est pas question de conseil. On te dit qu'il faut donner une réconciliation. Voilà, donc. On te dit qu'il faut réconcilier Apoutou et Makossa. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je ne vois pas les réconciliations. Je n'aime pas les réconciliations. Ah, ça, mais tu vas jamais te réconcilier à Défalé. Non, j'explique. Oui. Je n'aime pas expliquer dans un média ce qui se passe en bas. Donc, je préfère qu'on m'insulte et qu'on on entende les deux cela. Vous savez que c'est très sensible. Quand vous voyez, quand vous savez le niveau, vous savez, quand il y a une discussion entre des personnes et qu'on arrive au niveau des mamans et des injures de famille, ça devient difficile de calmer. Quand on parle dans les médias, quand Moula va porter sa voix dans les médias et il va dire que j'essaie de le continuer, les égos vont se mettre en marche. Donc oubliez ce qui s'entend de se passer en bas. Ah voilà, il faut dire que tu es en train de faire la réconciliation. C'est en bas, il faut dire ça à la Côte d'Ivoire. Là, on est d'accord. Non, écoute-moi bien. Je t'écoute, hein, Germaine, ne me regarde pas. Hein? Je le dis aujourd'hui, bah, ils vont comprendre après. Ouais, même quand je dis à la télévision que je suis en train de faire la réconciliation, ah, vous pouvez dire que, ah, comme il a dit, il a dit, mais ma cause, vous dire, comme il a dit, il a fait là. Donc, je ne fais plus. Vos actes actuels peuvent empêcher la réconciliation. Accompli. Mais vous pouvez garder ça dans l'émission. Je préfère au moins vous le dire. Souvent, ce n'est pas tout qui passe par le débat public. Mm-hmm. C'est comme, j'ai appelé à Sénayer, qui veut te voir. On a parlé, c'est des choses, il sait qu'il compte sur moi, il me fait confiance. Je lui fais confiance, il y a des choses que je ne peux pas dire, j'ai discuté avec lui, ça a pesé les choses. Est-ce que vous avez vu encore des passes d'âme entre eux? Non. J'ai parlé à un, j'ai parlé à l'autre, tu sais comment j'ai géré le. C'est le rôle d'un décideur. Bon, la technique fait signe qu'il nous reste pratiquement 30 secondes ou pas. Il ne peut pas aller 30 secondes. On va saluer mon frère Ibou Diabaraté déjà. Je vais animer ça. Voilà. On te demande ton mot de fin. N'écoutez pas tout ce qu'ils vous disent. Ils mentent. Et qui? Vous là. Merci.